Le monde va vite, les réseaux aussi. Voici mon avis de The Boys Diabolical en 60 secondes. Anthologie animée de 8 épisodes ayant pour socle l'univers de la série, en s'y référant que très rarement, The Boys Diabolical souffre du manque de qualité globale, faisant de chaque épisode un court-métrage allant du très bon au catastrophique, avec pas mal d'anecdotiques au milieu. La série s'amuse habilement avec différents styles d'animation, détournés à la sauce The Boys, ce qui marche très bien sur le premier épisode type Tex Avery, mais s'opère souvent au détriment d'une narration trop anecdotique, où la chronologie des épisodes et les modèles des personnages connus, pris sur le comics et non sur la série alors que le dessin animé est censé être canonique de la série télé, rendent le tout un peu flou et révèlent un manque d'enjeu. Au milieu, il y a boire et à manger sur un concept qui se prête au format 10 minutes jusqu'au dernier épisode, sur les débuts du Homelander, épisode qui nous conduit à penser que la série aurait sûrement gagné en intérêt en développant des personnages secondaires plutôt que des délires chelous propres à chaque réalisateur de chaque épisode.